Hey, salut les gens, c'est Footman44. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur Clash of Clans. Donc, vous connaissez sûrement. Donc, j'ai déjà monté 8 niveaux. Je vais déjà recommencer une fois Clash of Clans. Bon, je m'appelle Footman. Sur Clash of Clans, c'est marqué en haut à gauche. Voilà. Donc, je vais vous faire un tuto sur comment attaquer des gens de son niveau. Puis très très simplement, puis comment être comment être assez fort, comment être assez fort dans Clash of Clans. Donc déjà premièrement, vous améliorez donc votre ville, votre hôtel de ville niveau 2 quand vous commencez, et ensuite vous améliorez tout. Enfin, vous déjà vous allez dans magasin, vous allez dans armée, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre, vous êtes en défense, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre. On ne rend pas manger ses familles. Au début, c'est un peu inutile, mais après. Tout ce que vous pouvez mettre dans ressources, vous les placez. Ensuite, vous améliorez tout ça à fond. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous améliorez tout à fond. Donc, comme là, par exemple, c'est ma mine d'or à niveau 4, donc c'est au maximum quand la base est niveau 2. Niveau 2. Ça, c'est pareil. C'est au max. Au max, c'est au max. Donc, faut que je monte mon hôtel de ville niveau 3. Niveau 3. Donc ça, faut que ça arrive au niveau 4 pour pouvoir l'améliorer. Sachant que là, c'est déjà niveau 3, donc il me reste 4 heures pratiquement avant que ça soit au niveau 4. Et ça, vous l'améliorez, enfin ceci, il faut l'améliorer. Voilà, donc moi, j'ai pas assez. Donc, j'attends pour faire une petite bataille. Voilà. Ensuite, comment avoir, enfin comment faire ah oui, donc aussi si vous voulez faire plusieurs bâtiments rapidement, pour construire plus de bâtiments rapidement, ce que vous faites, c'est que vous gardez vos gemmes. Donc au début, vous demandez d'en utiliser 250, vous faites OK. Ensuite, vous les gardez et vous faites tout ce que vous pouvez faire ici. Donc voilà, par exemple là, c'est marqué améliorer votre réserve d'or au niveau 5. Donc ça, on s'en fout un peu, ça fait tout en même temps. La campagne monte, c'est un peu chaud, faut quand même être bien amélioré. Et donc moi, franchement perso, je trouve que les gobelins, c'est assez intéressant. En fait, on va dire que ça c'est de la merde, mais moi je trouve ça super bien parce qu'en fait ça attaque directement la ressource. Et moi je trouve ça bien. Voilà perso. Donc ensuite, n'oubliez surtout pas, c'est d'enlever le coffret de gemmes. Ça, franchement, faut l'enlever, parce que vous gagnez des gemmes, et ça, c'est super bien. Voilà. Bon, plus beaucoup d'XP. Alors aussi, les ligues qui sont très intéressantes à avoir, c'est par exemple, donc, dans ma ligue, donc, tout ça, c'est toutes les ligues. Donc, en fait, il y a 3 niveaux, donc il y a bronze, 3, 2, 1, après vous montez en argent, argent 3, 2, 1, etc. Or 3, 2, 1, cristal 3, 2, 1, master 3, 2, 1 et champion 3, 2, 1. Voilà, donc faut avoir minimum 400 trophées. Sinon vous n'êtes pas dans la ligue. Et en fait vous gagnez un bonus d'argent et d'élixir. Voilà. Allez hop, encore dans 30 secondes, c'est bon. Voilà, c'est notre petite attaque. Donc là c'est un jeu sur Android. Enfin moi j'ai sur Android, mais en fait je suis sur PC, donc j'ai téléchargé un crack, c'est Star Blue Stack. Bon vous devez sûrement connaître. C'est assez connu quand même. C'est un crack vraiment gratos. J'aime pas voir ça comme ça. Hop, on va utiliser 500 pièces. Ou 20 000, ça fait cher quand même. 10 000, je peux pas. Voilà, donc on va faire notre petite attaque. Non, on va d'abord faire ça. Voilà, potentiel. Ensuite, donc, chercher. Oui, donc c'est parce que j'ai oublié. On s'en bat les couilles. Bon là il n'y a pas grand chose à attaquer. Faut regarder aussi celle que j'ai trouvée parce que c'est super intéressant.
a par exemple 22 trophées. Donc après, regardez si les défenses sont passées. Donc je vois qu'il y en a une là, une là et une là. Je vais en mettre un peu là, et un peu là. Ensuite, bon, faut vraiment passer tout ça. Voilà, comme ça, eux, ils vont tout niquer. Comme ça, eux. En plus, ça, je trouve ça pas mal de dégâts, les gobelins. Je dirais que c'est de la merde, mais j'aime bien. Voilà, tranquille. On prend pas mal de ressources. Donc, je suis juste en train de pas faire beaucoup de dégâts, mais c'est tout, quoi. Bon, bah voilà. Là, j'ai par contre, là, j'ai vraiment merdé. J'ai perdu 8 trophées. Bon, pour moi, j'ai gagné un peu, pas beaucoup, mais un peu donc d'élixir. Donc voilà, bah, on va arriver sur la fin de cette vidéo. Donc bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao les amis. Allez, salut!